J'avais déjà fait tout un scénario que je devais aller là-bas, prendre les tissus, aller les paquets de tissus pour vous montrer. Mais hélas. Bonjour, non, hello, bonjour, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je sais. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu ce mignon petit visage. Bon, c'est juste que je suis très très occupée ces derniers jours. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai décidé de sortir ma caméra parce que j'ai des courses à faire. Bon, une course pour une cliente qui m'a contactée via ce canal. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis styliste, modéliste et prestataire de services également. Cette cliente m'a contactée via cette chaîne parce qu'elle avait besoin de, parce qu'elle a besoin de tissus italiens, une très grosse quantité d'ailleurs. Et je me suis dit pourquoi ne pas vous filmer, partager cela avec vous, vous montrer un peu où je fais mes achats en ce qui concerne des très très bons tissus italiens. Bon, celles qui me suivent depuis sur cette chaîne savent déjà un peu de quel magasin il s'agit parce que j'ai un premier vlog, mon tout premier vlog sur la chaîne où j'étais allée faire mes achats avec une de mes mariées. C'est l'un des magasins où je me trouve à l'aise. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire cela avec vous pour vous présenter un peu l'envers du décor de ce qui se passe dans les backstage avec mes clients. Ok? Attendez, je bois un peu de l'eau. Venez boire mon verre d'eau. J'aime bien boire de l'eau le matin comme ça me. Je commence par ce magasin, il est situé à 7 minutes de mon domicile. Pour vous dire vrai, je n'y viens presque jamais ici, pourtant c'est pas mal du tout puisque c'est la même enseigne avec le magasin où je fais le plus souvent mes achats. Mais la seule différence est que celui-ci est sur Pianoterra et l'autre est sur un niveau. La configuration du magasin est presque la même. Il me semble qu'ils ont aussi de très jolis tissus de ce côté. Je n'ai malheureusement pas trouvé le tissu que je voulais ici. Donc, du coup, je vous amène avec moi dans le centre-ville de ma ville où est situé mon magasin préféré. C'est parti! Faire le tourisme de ma ville, écoutez, regardez comment c'est beau, c'est très beau ça. J'ai aimé ce petit moment et fait des rencontres entre ceux qui voulaient faire des selfies avec moi et ceux qui voulaient que je les prenne en photo. Comme vous dites, la dolce vita italiana. Allez, facciamo selfie.
Oh là 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 là, le temps est tellement vite passé. Je suis sortie de la maison à 10h et lorsque j'attends les cloches sonner, cela signifie qu'il est déjà midi et le magasin ferme dans peu de temps. J'ai mangé, j'avais tellement faim. Comme vous-même vous avez constaté, ma recherche de tissu ne s'est pas passée comme je pensais. Oh my god! J'avais déjà fait tout un scénario que je devais aller là-bas, prendre les tissus, aller les paquets, vous montrer. Et là, dans le premier magasin, il n'avait pas le grammage de tissu que je voulais. C'était trop léger à mon goût. Au deuxième magasin, ils avaient le tissu, le style de tissu que je voulais, mais en très peu quantité. Ils avaient quelque chose comme 7 mètres de tissu. Pourtant, moi, j'avais besoin de 15 mètres de tissu. Ce qui fait en sorte que j'étais obligée de demander qu'ils me mettent de côté les 7 mètres de tissu qu'ils avaient déjà en stock. Comme ils m'ont dit dans ce magasin-là que les tissus arrivent la semaine prochaine, donc ils avaient déjà passé la commande des tissus qui était presque fini, et dans cette commande là il y avait le style de tissu que je voulais. Ils m'ont fait comprendre que ça arrive la semaine prochaine, donc j'ai été obligée de donner une avance sur les 8 mètres de tissu qui restent pour que lorsque ça arrive la semaine prochaine, ils me gardent ça, parce que c'est un tissu, dès lors que ça arrive, tout le monde veut le prendre. Il est tellement beau. Ils m'ont vraiment rassuré que d'ici la semaine prochaine, j'aurai mes 8 mètres de tissu qu'il faut. Bon, bien évidemment, je ne peux pas aller dans ce magasin sans rien acheter. Voilà. J'ai pris des tissus. Magnifique tissu je crois que c'est un rose antique. Ça, c'est toujours une commande d'une cliente. Ceci, c'est une confession que je dois faire. Je dois confectionner ceci. Ce sont des robes que je dois confectionner pour une commande là que j'ai pris. Et j'ai pris ceci et j'ai également pris voilà, j'ai pris ce bleu. Ça, ce sont des gilets que je dois confectionner. Des gilets. Et avec ceci. Sur ce, nous allons nous dire au revoir. J'espère que tu as aimé ce tout petit vlog. Là, nous sommes samedi et c'est un peu comme cela que je passe un peu mes week-ends en essayant de travailler sur mes projets personnels et même ceux de mes clientes. J'aimerais aussi connaître quel est le magasin des tissus dans ton pays dans lequel tu te fournis en tissu. Tu peux l'écrire en commentaire, ça pourra peut-être aider certaines personnes qui sont à la recherche des tissus de très bonne qualité. On va se dire au revoir et à très bientôt dans une prochaine. Bye bye.